toutes ces nouvelles espèces dites envahissantes, comme le ragondin ou même la tortue de Floride. C'est des espèces qu'il faut réguler. On sait que dans d'autres départements, voilà, ils font des dégâts aux champs de maïs, aux champs de blé, vraiment aux cultures. Mais pour nous, dans le département, pas encore. Donc, c'est pour ça qu'on s'y prend assez tôt en prévention des dégâts qu'ils pourraient causer sur les cultures, quoi. Alors là, on est vraiment dans une zone humide, en bord de l'étang de Salse. Donc voilà, c'est que de la sagne, que du marais. Pour recharger les appâts et le petit fusil pour au cas où s'il y a du ragondin dans la cage. Hop. Donc première cage, oh, celle-là elle est vide, je remets du pain. Hop. Et je rearme la cage. Donc voilà, on pose les cages entre deux canaux. C'est des passages de ragondin. Deuxième cage, bon, celle-là elle est vide. On va remettre du pain pour appâter. C'est pour ça qu'on met les cages sur des passages d'animaux pour vraiment avoir un meilleur effort de capture. Mais la contrainte, voilà, c'est qu'il y a tous les animaux qui passent par là. On a des canards, des poules d'eau, des rats et donc le ragondin, quoi. Donc c'est pour ça qu'on utilise ces cages qui prennent l'animal vivant dans la cage. Comme ça, si c'est pas un ragondin, ça permet de relâcher l'autre animal, quoi. Une coulée typique de ragondin. L'animal passe ici. Il nous a même laissé quelques petits cadeaux. Ce sont des crottes de 5-6 cm de long, striées sur le dessus. Voilà, c'est vraiment caractéristique du ragondin et de leur passage. Donc c'est pour ça qu'on met les cages où il y a ces indices de présence, quoi. Une des raisons pourquoi nous piégeons le ragondin, voilà, un dégât caractéristique, à force de leur passage successif, mais aussi en creusant leur terrier, ben, accélère l'érosion des berges. Ça peut provoquer l'effondrement de tout le chemin. Donc c'est des zones vraiment qui vont être par la suite réaménagées pour conserver le bon fonctionnement de l'écosystème des zones humides, quoi. Une sortie secondaire d'un terrier de ragondin. Donc là, voilà, on est au milieu d'un chemin et voilà, on a une. Là, c'est une sortie. Ça permet aussi d'aérer leur terrier. Ils minent les berges. Donc là, on a une digue entre deux canaux d'eau. Et voilà, si ces phénomènes s'accentuent, ça peut devenir très grave pour l'écoulement des eaux et tout l'écosystème. À l'origine, la berge est arrivée jusqu'ici. Donc, peu à peu, le ragondin, en creusant et le terrier qu'il y a de ce côté et le passage ici, il accélère, voilà, l'érosion naturelle de la berge, quoi. Donc, c'est pour ça, voilà, qu'on met les cages ici sur les passages pour arrêter les animaux qui sont sur le secteur. Là, on a eu dernièrement une grosse crue. Donc le niveau de l'eau est monté, ce qui a favorisé la dispersion des ragondins. Donc c'est vrai que là, on en retrouve un peu plus réparti, un peu plus éparpillé. Il est porteur de la leptospirose ou de la tularémie, qui sont des maladies potentiellement mortelles pour l'homme, mais aussi pour les animaux de compagnie. Sensibilise les gens à porter, voilà, par exemple des bottes ou des gants quand ils manipulent ce genre d'animaux. Alors cette cage est vide, voilà, on va la remettre. Allez hop, c'est bon, c'est prêt pour demain. Voilà, on a le canigou en fond et l'étang de Salse devant. Alors voilà, c'est un petit rat. Oui, j'en attrape assez souvent, on va dire, dans un tiers des cas, les cages sont fermées à cause des rats. Ah ben oui.
Donc voilà, on va le relibérer. Allez, hop. Là, un petit passereau, petit gorge bleu qui sont là, ils remontent vers le nord à cette époque. Je crois que c'est le cinquième ou le sixième petit passereau comme ça que j'attrape. Ils viennent pour manger le pain et ils poussent le pain sur la trappe et ça déclenche. C'est vrai que là, je pense qu'on a un département vraiment exceptionnel, voilà, de la haute montagne ben, jusqu'à la mer, en 100 km. Et avec tous les milieux, toutes les espèces, c'est pas une chose facile que la gestion de tous ces milieux. Mais bon, je pense qu'à la Fédération, entre toutes les spécialités qu'on a, on arrive à faire ça au mieux. Ben, le ragondin est un rongeur principalement brouteur, on dit. Voilà, il mange principalement de l'herbe, des roseaux, des jeunes pousses de roseaux, même si ça lui arrive parfois de pouvoir consommer des coquillages ou des mollusques. Le ragondin est originaire d'Amérique du Sud. Il a été importé en Europe vers le 19e siècle pour sa fourrure. Donc on en a fait des élevages, tout ça. Et les populations actuelles françaises sont issues de... Ben, d'animaux qui sont enfuis volontairement ou involontairement de ces élevages. Et donc voilà, maintenant qu'ils colonisent tous les milieux parce que ben, ils n'ont pas de prédateurs naturels, comme je sais pas, le puma ou les aigles d'Amérique du Sud. Donc voilà, on doit réguler ces espèces qui sont invasives et classées nuisibles dans la majorité de la France, quoi. Ben, on essaye que la mise à mort soit rapide et sans douleur pour l'animal, parce que voilà, c'est une espèce nuisible qu'il faut réguler, il n'y a pas de problème, mais voilà, il faut faire ça dans les meilleures conditions et proprement. Hop. La mise à mort est rapide, voilà. Donc après, ben, je les regroupe tous, ils partent dans un congélateur et tous les 2-3 mois, c'est une société d'écarissage qui vient les ramasser. Le ragondin est un animal qui peut faire 2 à 3 portées par an et jusqu'à 5-6 petits par portée, donc il y a un fort potentiel reproducteur. Le piégeage doit continuer, la régulation de cette espèce doit continuer pour au mieux maintenir les populations à un faible niveau, quoi. Et voilà. Donc la date 2013. Le lieu où ça a été piégé et l'espèce. Un rat, un ragondin. Donc on met le poids et le sexe. Tous ces chiffres permettent après d'avoir un compte rendu assez précis sur le nombre de ragondins pris, mais aussi sur toutes les espèces qui peuplent le marais, que l'on peut rencontrer, quoi. Thank you.
en Europe, et bon, bien sûr en France, on a le castor d'Europe, qui lui, voilà, est endémique d'Europe, et le ragonnais rentre, comme le rat musqué, rentre en concurrence alimentaire et d'habitat pour cette espèce dans, on va dire, la moitié est de la France, quoi. C'est une espèce, voilà, qui utilise en France une niche écologique vacante. Elle n'a pas de prédateurs naturels, elle a suffisamment de ressources alimentaires, elle a un milieu qui lui correspond bien. Donc l'espèce, à terme, ne sera pas éradiquée totalement. Donc voilà, on va mettre les ragondins qu'on a prélevés ce matin au congélateur. Voilà. En attendant que l'écarissage vienne les chercher.